Salut à tous et à toutes, ici Mister Wouwou. Donc vous avez un bruit bizarre de son, de machin, de parasite. Parce que voilà, il y a un petit souci avec... en fait, il y a ma... Mon micro fait un peu de parasitage, je crois, il y a un... Mais bon, ça va, normalement ça doit pas gêner au niveau du son, je pense. Mais bon, j'ai mis au plus bas comme je pouvais. Mais maintenant, au moins vous avez un son... normalement au moins potable pour les enregistrements. En fait, je vous explique. Ici, je mets de la facilité parce qu'en fait, du coup, le micro est intégré et mixé avec l'enregistrement. Ça me facilite énormément mieux la vie que devoir faire séparément. Vous aurez plus de vidéos du coup grâce à ça. Youpi ! Ça va faire plus de plaisir à nombre de personnes, de zéro personne qui regardent mes vidéos. C'est trop cool, trop cool. Voilà, voilà. Je me trouve troll, je sais. Rien du tout. Ok. C'est ça. Oula. Petit bug d'affichage. Trop bien. Trop cool. Trop top. Allô? Ah voilà. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Non, c'est le seul qui doit être mis à jour. Ah, bon, écoutez, on va mettre à jour, hein, puisqu'il n'y a que ça à mettre à jour. C'est pas compliqué à faire. Hop. C'est marrant. C'est un vieux casque Xbox One en fait que j'utilise là. C'est vraiment un casque qui n'est pas nouveau hein, du tout. Mais je vais acheter un nouveau micro, un nouveau truc qui soit meilleur. Hein. C'est prévu. Je vais acheter un casque spécial pour le gaming. Et ça va être génial. Mais en tout cas, ça me facilite la vie dans le sens là. Du coup, le son, il est un peu plus dictaphone. Ok, vous avez un truc qui gêne peut-être, mais... Je me dis, au pire, c'est pas très grave, ça fait un peu feuilleton, au pire... À l'époque, dans la vraie vie, c'était comme ça, donc... c'est pas très grave qu'il y ait ce genre de petits soucis. Donc voilà, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai dans ce jeu. Donc on va aller déjà voir ce que c'est l'amélioration de celui-ci, ce qui m'a fait. Parce que c'est vrai que... J'avais... Opération téléchargement, nanana... Là. Alors, je vous explique. J'ai acheté il y a quelques jours un pack de textures qui s'appelle Atori Recraft. Super pack de textures d'ailleurs en passant. Et voilà, c'est vraiment génial. Mais en tout cas, voilà. C'est peut-être pour ça qu'il y a une personne que j'ai vu qui a fait un tutoriel et après elle a annulé de faire des let's play sur ça parce qu'elle a vu qu'il y avait du mauvais son. Mais ça va, il y a moyen de retirer ce bug de son là. Oui, certes, c'est pas terrible, mais si t'achètes un micro cravate ou quoi, il y a moyen de retirer le son ou en tout cas avoir une qualité mieux. Trouver un machin qui règle ce souci là, donc c'est pas un problème en soi. Et je pense savoir quoi faire par la suite pour. Je vais tester un truc. Ici, c'est surtout un test avec ce son là, donc vous aurez peut-être pas un son constant comme ça, on verra. C'est un test de son en bref. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est sympa quand même. Tant que vous comprenez ce que je dis, c'est suffisant, quoi. Donc, oui, ça fait bizarre si au cas où vous regardez mes autres vidéos, vous disiez, tiens, la qualité de son a réduit. Ben, c'est normal, maintenant, j'utilise un casque. C'est beaucoup plus pratique. Oui, parce que quand vous faites des let's play commentés, le principe, c'est quand même d'être bien à l'aise. C'est pas de commencer à être... Déjà que je suis pas non plus optimal, puisque j'utilise un vidéoprojecteur pour jouer... Enfin, j'utilise mes deux Joy-Con pour jouer parce que j'ai pas de manette autre que ça. Il manque deux trucs, comme j'ai dit, une TV. Et ça, quoi, comme je vous ai dit, pour avoir déjà plus de... Et à ce moment-là, je laisserai carrément ma Switch dedans, quoi. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, ok, à ce moment-là, je peux même très bien jouer à la TV. Ça me dérangerait pas de jouer sur la TV... quand je veux jouer, quoi, au lieu de jouer en portable. Et même mieux, si au cas où par la suite j'ai une manette en plus, ce sera tout le monde Dory machin qui coûte 21 euros.
Ben à ce moment-là, je suis tranquille à ce niveau-là, j'ai plus besoin de me casser le cul. Donc voilà, c'est vraiment ça quoi. Donc là, on attend un peu. Le fait qu'on doit attendre aussi longtemps, c'est le pack de textures qui pompe énormément, voilà. Alors la dernière fois, en fait, j'avais fait des installations de choses. Ben, bizarrement, le pack de... Bonjour, toi. Le pack de texture n'a pas été pris en compte. Il y a un problème. Non, le truc. C'est bizarre. On verra ça plus tard. De toute façon, j'ai que des soucis avec ce mode de jeu. Ça donne plus envie d'y jouer à cause de ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour ou il y a un souci ou quoi, ben, tu perds tout. Ce que tu as fait, puisque tout disparaît, tout ce qui est donc du coup c'est pas jouable en fait à cause de ça. Un seul petit truc peut faire que tu perds tout. Donc non, c'est pas ouf. Je déconseille vraiment ce truc-là. C'est mieux d'acheter de jouer sur Java pour ça. Non, ici ce qu'on va faire, ce qu'on va vraiment faire ici, c'est aller dans un monde. Sympatoche où je vous montre un peu ce que j'ai moi comme Fox Cubic non Owncraft et bah voilà c'est plutôt celui-là oui que qu'il me faudrait pourquoi il me demande de vérifier téléchargement et pas de téléchargement à vérifier bah, c'est bizarre qu'il me pose cette question-là ah, il y a des trucs bizarres quand même non parce que techniquement j'ai quand même de toute façon déjà le jeu. Ah ben, j'ai pas 10 000 ans à moi. Oh purée. Ouais. Magnifique. Je suis comblé. Waouh. Et du coup, je peux pas jouer parce que ça fait ça? T'es sérieux là? Allez! Qu'est-ce qui se passe avec ce jeu? Ah là, ça marche. Bon, avec l'autre monde, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tant pis, on fera plus tard. On va aller visiter mes trucs que je fais en hors ligne qui ont rien à voir avec des aventures. Parce qu'en fait, le truc que je voulais rentrer dedans, c'est pour vous montrer ce que j'ai prévu de vous faire comme aventure. Dans l'épisode suivant, on commencera ça. C'est de faire une aventure sur ça, en fait. Ça va être sympa, je trouve. Donc, on va faire ça. Ça pourrait être cool. Donc, pour ma télécommande... Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est que pas tous les boutons fonctionnent. Je veux dire F1, F2, F3 et certains modes comme qualité, tout ça, je peux pas y accéder, donc je peux pas modifier la qualité de la vidéo pour la mettre en 760 FPS par exemple. Donc tant pis, hein, c'est pas très grave, mais c'est un peu dommage à ce niveau-là. En soi, vous allez me dire, on s'en fout un peu, au pire, c'est déjà bien comme ça, mais oui. C'est juste que c'est un peu dommage, quoi. Il est beau pack de texture, hein, avec les shaders. Ben, il n'y a pas les shaders. C'est ça qui est un peu troll, en fait, c'est qu'il n'a pas du tout les shaders de base. Donc je sais pas pourquoi ils se sont décidés à foutre de trucs faux, mais bon, soit. C'est long, hein. Ah, pas trop tôt. Alors. Heure. Merde. Nique ta mort au canard. Coin, coin, coin.
J'ai un problème parce qu'en fait j'arrive pas à envoyer la commande en fait. Je sais plus comment on fait. What the fuck? Ah, c'est bien ça, et du coup il faut faire ok. Non, ah oui, c'est juste, c'est bon, j'ai trouvé le mec qui galère sur un truc inutile. Voilà. On va attendre qu'il fasse un peu jour. Voilà ce que j'ai sur ma on va attendre qu'il fasse jour. Ça arrive. Voilà, j'ai fait un peu d'expérience sympa sur le jeu. C'est un peu lent quand même, je trouve. Regardez ce magnifique soleil. C'est mieux. Donc voilà, j'ai fait un peu d'expérience sur cette map, tout simplement. Hein. Il y a un peu de tout. Il y a par exemple cette expérience-là qui est sympa. En fait, c'est tout simplement un coffre que vous mettez dedans des trucs. Et en fait, c'est un truc qui est trieur. C'est que seules certaines choses rentrent dedans. Si vous mettez tout et n'importe quoi, seul un certain bazar va rentrer et un autre ne rentrera pas. C'est un trieur, tout simplement. J'ai aussi ça. J'ai aussi ça. C'est tout simplement un bot, j'allais dire. Un rail qui récupère au-dessus les bazars qui tombent. Là, on a un petit ouhou qui est là. Je sais pas ce qu'il fout là. Apparemment, il gêne pas plus que ça. Petite toute belle. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Il est trop comique le wouwou parce qu'il est là et du coup il n'a rien à foutre là. C'est un wouwou coquin. C'est un wouwou coquinou mania. Dune. Ne vous inquiétez pas. On a d'autres petits wouwou coquinou. Regardez ce petit roux coquinou mania, mais qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. C'est qui le petit boubou, petit roux? C'est lui. Cours petit boubou, cours. On a ma villa. Je me suis amusé à faire du n'importe quoi ici. Regardez-moi ça, c'est le bordel total. Vous avez des roux coquins qui sont partout. C'est trop beau, c'est magnifique. Des abeilles comiques. Voilà. Pour ceux qui cherchent le pack de textures, c'est Otari Craft, le nom du pack. C'est un pack qui coûte... moi je l'ai eu en promotion, à mon avis, il coûte dans les 6-7 euros, je pense, par défaut. Donc c'est quand même un prix, mais vous avez du 64 par taille et du 1028 aussi en termes de taille de résolution. Mais sur la Switch, en tout cas, quand tu es sur le 1028, ça plante. Quand tu essaies de charger le jeu, donc ça marche pas. Donc n'oubliez pas, si au cas où vous avez le pack de texture, pensez à aller dans les paramètres pour aller dans la roue crantée du pack de texture et mettre en 64 au lieu de 128, parce que sinon ça va planter à chaque fois, parce que la Switch ne supporte pas une telle résolution pour l'instant, ou c'est le jeu en lui-même, hein, j'en sais rien. Mais voilà quoi, comme vous voyez, on a des wouhou coquins, des wouhou coquins partout. C'est la fiesta. Là vous avez ma petite villa de wouhou coquinou. Voilà, on va rentrer visiter ça ensemble. Voilà ce que ça donne, c'est magnifique, on est tous émus. Bah.
Après, voilà, c'est un peu la fiesta à Wouhou compressé. Voilà, vous avez des Wouhou. J'aime trop les Wouhou. Ça se voit direct parce que je suis Wouhou de moi-même. Voilà. Alors, quand on est Wouhou de soi, on a plus de Wouhou. Ou ça, c'est un Wouhou compagnie. On a aussi une d'une d'autre race. Montre ton petit Wouhou. Un peu bizarre quand même. Mais voilà, on a une autre d'une de autre race. Là, nous avons un joli tableau que je n'ai pas pris parce que voilà, c'est en changeant le pack de texture, ça a mis ça. Je sais pas ce qu'il y a d'autre. Hein. Merde, c'est pas ce que je voulais. Ah, fait chier. Ah, c'était vraiment uniquement un... Ok. Donc voilà, c'était un tableau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer un tableau. Et on va vérifier ensemble ce qu'il y a sur ces tableaux avant de se quitter. Oui, ça on a déjà vu. Oui, tu l'as déjà montré. Allô. Hey. Voilà, c'est tout. Non, j'ai que des katanas, ouais. Petit paysage. Ouais. Katana, oui, on a compris. D'ailleurs, en parlant de ça, là, je pourrais pas mettre des katanas. Non. Oh! Quoique, non, on va laisser ça comme ça. C'est magnifique comme ça, ça donne bien. Voilà. Donc voilà, vous avez. Non. Quoique. Ah, des katanas. Des catamarans. Voilà. Et du coup, ça fait de la, un peu de décoration. Oh. Alors, on va aller voir un peu plus loin et on va essayer de décorer un peu plus la maison avec d'autres choses. Voilà. Ou ce sont des ombres, on s'en va les ouf la quête. Donc, si par exemple on peut retirer ça et mettre. Tiens, comme par hasard, il y a un autre tableau qui apparaît. Oh. D'accord. Excellent. Ouais, c'est sympa. Tu fais toi, hein? Tu ou coquin? Hein? C'est sympa. Bah, j'aime bien. Après, techniquement, c'est une zone de test. Si je veux bien laisser ça, ça me dérange pas plus que ça. Enfin, voilà, en bref, c'est un peu ce que j'ai. C'est cette petite maison sympatoche. J'ai d'autres trucs, hein. Mais voilà, je vous ai montré le plus intéressant ici et je vous fais un autre épisode après pour la suite. Ce que je dois vérifier d'abord, ah oui, j'ai ça aussi. Bah oui, c'est avec le truc, parce que c'est là où t'as les monstres en fait qui... Je vois plus rien, je sais pas où je suis. Ah ok, je suis rentré dedans comme une andouille. Ok, ça marche. Ah oui, on voit rien dedans, hein, c'est ça le problème. Alors. De Wouhou lumière. Ah voilà, on voit un peu mieux.
Voilà, comme ça vous voyez un peu mieux à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ressemble le truc. C'est connu, hein. Mais voilà, vous voyez vaguement à quoi ça ressemble. Après, je vais devoir retirer la lumière parce que ça permet justement de récolter plus vite des monstres. Sinon, on aura moins de monstres. Mais voilà à quoi ça ressemble. Oui. Donc voilà à quoi. Voilà à quoi ça ressemble. Tout simplement. De Wouhou coquin. Alors, du coup, ici, je vais terminer l'enregistrement pour pas que ça soit trop long. Je vous upload la vidéo. Alors, du coup, comme vous avez compris, il aura peut-être du coup plus le petit Wouhou coquin en sous-côté avec cette technique-là. Parce que le but, c'est d'aller le plus vite possible et d'avoir la facilité ici. Du coup, je vais pas mettre un Wouhou comique à côté parce que ça veut dire que je dois passer dans le logiciel de montage Sony Vegas Pro 16. Et le mettre, et après ça prend plusieurs heures, ou peut-être moins, qui sait, vu que je mets pas d'audio avec, mais je pense pas, ça doit prendre plusieurs heures quand même, parce que ça doit ajouter l'image partout en seconde, et c'est pour ça la facilité derrière. Donc je vous dis à bientôt, bande de trucs vivantes, ou plutôt au prochain épisode. Woutez-vous bien! Non, je suis con, ça veut rien dire. En tout cas, la télécommande fonctionne nickel et c'est ce qui compte. Je suis en train de regarder sur mon PC que ça fait pas n'importe quoi. Le seul problème, c'est que je peux pas éjecter ma clé USB puisqu'il manque des boutons qui ne fonctionnent pas, qu'il faut avoir la relève. Mais en tout cas, le strict minimum fonctionne, c'est ce qui compte. Je peux aller dans le menu, je peux vérifier tout si tout va bien. Je peux dire OK quand il y a un machin qui explique pour le microphone de mon casque en fait. Le problème, c'est que je pouvais pas l'utiliser à cause du fait que ça affichait l'explication. Et je peux pas dire à la machine, au menu, de dire en appuyant sur F1, dire ne me le rappelle plus, puisque je ne peux pas appuyer sur F2. C'est pas F1, c'est F2 pour ça. Je ne peux pas appuyer sur F2 pour lui dire d'arrêter de me raconter sa vie. Donc du coup, ça recommence à chaque fois que je rebranche, débranche le micro, tout simplement. Voilà pourquoi que avant, quand on n'a pas de télécommande à ce moment-là, on sait rien foutre. Donc du coup, et pareil pour F1, hein, ou je sais plus si c'est F1 ou c'est peut-être F2 plutôt. C'est pareil pour éjecter mon disque machin. Je peux pas. Parce que justement, c'est ça le problème. On ne sait pas parce que ça fait, il y a ce problème-là. Donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien de pouvoir faire comme ça. Bien sûr, je vais bien checker d'être sûr qu'il n'y a pas de problème de son trop horrible. Au pire, de devoir malgré tout monter. On verra. Mais en tout cas, moi, ça me facilite quand même beaucoup mieux la vie parce que je ne dois pas me casser le cul à synchroniser le son. Peut-être éventuellement, retirer peut-être des bruits qui dérangent et encore peut-être que je ne saurais pas le faire. Donc je vous dis à bientôt, c'était Mister Wouhou et surtout, portez-vous bien. Bande de trucs. Parce que regardez là, je dis stop.